dis là n'est pas une démonstration, bien sûr. C'est une conclusion. Vous le comprendrez lorsque vous comprendrez ce que c'est que la conscience. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, en tout cas. C'est le module 2 de notre université, bien entendu. Qu'est-ce que la conscience? D'où vient la conscience? Etc. Alors, la connaissance est-elle accessible à l'homme? Définitivement oui, parce que ce n'est pas l'homme qui est en cause, c'est la conscience. L'homme et la conscience, c'est deux choses différentes. L'homme a conscience, et la conscience habite l'homme. Et pour la conscience, il n'y a pas de connaissance qui ne soit pas accessible. Maintenant, si on se prend pour un être humain, et qu'on croit qu'on se réduit à notre cerveau, évidemment, on va pouvoir en douter. Mais on ne se réduit pas du tout à notre cerveau, pas une seconde. Le cerveau n'est qu'un filtre qui limite, pour certaines raisons qui nous permettent de nous croire des êtres humains, mais il n'empêche que le potentiel est toujours là. Et le potentiel, c'est à lui qu'il faut faire appel. Si vous y faites appel, votre cerveau ne fera pas obstacle, ne vous inquiétez pas. Votre cerveau n'a pas le pouvoir de vous empêcher de vous ouvrir à la connaissance universelle, pas une seconde. Vous pouvez comprendre l'univers sans aucun problème.